Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Ça y est, nous y sommes. Et ci siamo donna enesimo pro bio velige. Salut à tutti, salut de Sébastien. Salut à vous. L'otiada a seconda di awa, bidimo osomer. Au programma stasera, on seremo tanto originali, che abbiamo parlato torna di Covid e di sto confinamento, né carne né pesce. Vedremo come a Corsica si ritrova così in pole position per ciò che tocca a vaccinazione, organizzazione di guerre, scelte e sfarenze per rapporto ad altri. Sarà un nostro sguardo di un mese. E poi un anno e mezzo dopo la creazione di due collettivi antimafia, lamperemo un'occhiata in questa questione che si cercherà una piazza in un dibattito territoriale, di in tutti i casi la volontà di questi collettivi, Marie-France Joan Angeli di Mafia No, a lui d'aie, sarà in plateau con noi. E poi nelle memorie bulteremo un altro scompiento di avvine d'aprile 86, 35 anni fa, si sciuì al Champio di Chernobyl, un iolo radioattivo è passato in una Corsica allora che lo doveva ospitare a frontiera, un Champio ha le conseguenze nere nere e che ha strappato il filo di confianza. E per parlare di tutto questo e di tante altre affari, accogliamo il nostro invitato stasera, il dottore François Agostini. Salute, dottore Pusade. Buonasera. Saluto, ciao tutto. Vi presentiamo alla corte, si è dottore da poi 30 anni e di 61 anni, si è un chef di casa medicale di Galinzana, si è capo servizio di cura a lungo andare dell'ospedale di Galvi, patrone di un sindacato di dottori e è fatto appena di politica di noi, si è Santa Rebaradaccio, ma Galinzanico d'adozione, si è dunque Balanino, un tefino, enfin, speriamo. Yeah. E quando abbiamo approntato l'emissione ci siamo resi conti che siete soprattutto overbooké, assai. E come pareti dottore a war, pareti professionale a salute, siamo overbooké come boide. Allora, sono mica chef, questa parola mi piace tanto di Lavranca. Allora, in inglese dice leader. Leader, bon, un po' forse più adattata, dice radio. Ma bon, cerco in tutti i casi anche d'altri a fare per un meglio, per la salute di noi. Ho cercato di più carco, gustando con il Covid, di un mistero che vuole guè, di dottore, e in più di guè, di dottore di campagna. E bon, un mistero vuole guè, questo è sicuro, ma ora, cioè di chi, come già radio, di poi marzo 2020, mi si barredesse, come lo si dice in francese, in una lessiveuse. Si orme Covid, si sveglia Covid, si gampa Covid e il resto di sicuro per tutti i nostri paesani che hanno bisogno, giovani e vecchi. Lascia appena i piazza per la vita di famiglia con tunque? Appenuccia, ma poco, a poco. Cioè di che bego marosamente mica abbastanza a spesso i miei violini e la mia violina, questa arriveta sai, ma bon, fermo come ci ha sognato è il nostro scopo. E guardare la tele forse mica tempo, e ma avere ciò che ha fatto l'attualità questo mese scorso in un nostro zapping fatto da Lionel Luggiani, Vanessa Cuglioli e Matteo Luccioni. Di tutte trattazioni, Anne-Marie Nadal a 80 anni passati, pesa sempre oggi. Un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections au 20 et 27 juin. In quanto all'esecutivo, i consiglieri non devono mica fare a morusoi ma suita o presidenti. L'uomo avvisato gli è mezzo salvato. Paio detto che era sulla diritta. Può essere un nemico bello affare, ma fino a morte sarà già diritto. Dopo, quando non ci sono più, si sbruglieranno. Dunque, sostenerà la lista di Marcangeli che gli ha diritto. Avvi au recalcitrant. Est-ce que c'était un message à l'adresse de Jean-Christophe Angelini? Absolument pas, c'est un message à l'adresse des Corses. L'idée, c'est de sortir d'une vision simplement étriquée d'un rassemblement pour aller vers une vision dynamique, tout simplement. Au principio de l'estate, a grisa sanitaria e l'apertura di luoghi pubblici, forse che gli elettori avranno a strafare a far. On va démarrer avec le central à fioul. Et ça va pas être du combustible de secours. Ça va être du principal, du permanent. L'énergie est un nostro avene. Tenimola a conto.
Des banderoles affichées en guise de protestation, les messages sont clairs. Le projet Petrama s'inscrit dans une logique de développement de la Corse qui n'est pas durable, qui ne s'inscrit pas dans l'intérêt des Corses, qui est une aberration environnementale. La matinée a été marquée par une légère altercation avec une future acheteuse de passage. On n'est pas pile tout, hein, Corse. Sont plus de 70 personnes qui se juntent et rimanent pour soutenir Joseph Castille, non ce que l'ouvrant qui est morte di Abrigio di Ouro. Au-delà de la dizaine de nationalistes aujourd'hui incarcérés, Solidarita note que les anciens prisonniers subissent le contre-coup d'un durcissement législatif. Per sicurezza sul luogo di lavoro, il corrente elettrico doveva essere tagliato stamane. A ottobre, i gendarmi erano sopra il luogo. J'ai le glaive toujours pas mieux dessus de la tête, quoi. Joseph Castille, l'ancien élite, aérebbe da stam prigio, in aspettando un projet su napi. Madame la préfète Chevalier m'avait garanti que de leur vivant, ils ne seraient pas expulsés. Le face-à-face habituel autorité-militant nationaliste s'est agrémenté aujourd'hui d'un passage à vélo du préfet de Corse. Les mains sur le guidon, Pascal Lelarge n'a pas eu son tract. Alors on est divorcé, mica udin pour les mouettes, mais a seguito de l'attualità? Yeah, a seguito sicuramente. Parecchi affari mi interessano all'ingiro di Asalude, sicuramente, a politica. A politica volevi occuparsi di niente. Dunque, quando così di autore, in qualche luogo, fate un po' di politica, un po' se non volete mica. Bon, io mi piace abbastanza. Mica da mente l'elezione, che non mi sgovero mica troppo, ma a politica, diciamo, l'aspetto filosofico o culturale mi interessa assai. Era de militante del PSI, poi dopo a Femme Corse, yeah. Allora, quando abbiamo sentito questi giovani che si battono per avere un terreno, una casa, mezzo a prezzi scemi, chi ne pensate, chi ce la fa di Betacue? Allora, sicuramente è qualcosa che mi muove assai. In Balagna soprattutto. In Balagna è una vergogna, cioè di là come lei. Avevo preso un terreno da 800 euro a 400 euro un metro quadrato. Oggi la gioventù un po' più fa una casa, non è più possibile. Allora, ci sono aspetti, come già radio, è comune... cercano a fare perché i giovani possano costruire qualcosa, accedere alla proprietà, come lo si dice, ma non è mica possibile, non è più possibile per lì. È una rivolta che c'è, e capisco i giovani, quando eri a Zedà, anche io sarebbe fatto un testo pezzo di mare, di Dara, vincere un mare, non è mica possibile, non si può mica citare, ma chi si può fare? Chi si può fare? Questa cioè che il politico fia il suo lavoro, e proposte sono state fatte, mi si pare che sono mica proposte rivoluzionarie, ma avere, secondo si chiama, entre guillemets, lo statuto di residente, mi si pare che non è mica un affare straordinario, e ci sarebbe aggiungerci. Allora, faccio parte di soggetti, d'attualità, le dette, anche se da poi un anno non si parla quasi più, che di Covid, le dette non sai, malauragamente, e mo da continuare a parlare in un nostro sguardo di un mese. E per parlare di Covid, ricevimo il nostro professore o professore Nanini di Leiaciu di Biguglia. Saluto, Beric. Saluto, professore, spiega tutto come vuoi. Allora, è compiuto, enfin, è quasi compiuto sul terzo confinamento appena strano, ci vuoi la fare o no? Allora, beh, le dirette avanti di né carne né pesce per avere sul terzo confinamento e per bere lo PMU i cifri dell'incienza. Allora, in continente, un fase che cala. Qui in Corsica, la settimana passata, eravamo a 180 contro 140 quando è stato messo in ballo il confinamento. Come spiega questa crescita? Già, questa regola di 10 km qui non ha mica senso e poco rispettata. E ce l'ha di là in noi, i controlli dei forzi dell'ordine sono stati pochi e soprattutto mica. Certi dicono che ce ne hanno detto, ora per niente di continuare a piegare le misure sanitarie, e forse che hanno a regione. Ma quando bo veride non ta sorridrato e va tu da gors matin o brevetto basca le large tu cassi un bitiere o in olmeto cu parete astre persone in un luogo di oso so sta di barretti non ta ire desugia la interrogasi interrogazione in us e nosi muan in tempo di confinamento quando una domenica mattina non ta piazza San Nicola in Bastia degine e degine di persone si mettono a balla si giovane. Allora, dottor Agostini, a Santa Boi ci ha fatto o no sul confinamento, questa spiesa di confinamento, perché non è mica... Allora, c'è parecchie misure che ci ha fatto quando c'è un'epidemia così, di Boi
che li diso l'epidemia disa che i mezzi ci ne mica sai c'è un mezzo di umigamento se lo c'è che lo può suagna ma per avere un ci ne mica c'è un mezzo di uagliolo e dopo c'è veramente un confinamento e io penso che ci ha fatto è una misura che come questo mica, o più mica, che questo cioè la fa allora, un cubo se l'incidenza era più alta in Outre-mer che in Corsica per esempio hanno preso una decisione da Dunkerque a Bonivaso. Questa è vera che noi abbiamo sempre un mandato di buon principio di avere misure specifiche è sicura come Luigi nostro professore nostro specialista è vera che ci abbia misure che si sono meglio più adattate alla situazione. Fa un confinamento come già radio duro, un quenza o in Bastia, mica ci stessa a fare. Allora, voilà. A spesso è stata balizzata la situazione in Balagna, siamo curati di barretti orta bere, a Balagna è un'incidenza più alta che l'altra regione di Corsica. Si è inteso spesso in noi, arriva una spiegazione di un secondo rep, aveva le spalle così larghe un secondo rep per spiegare tutta la situazione? Sicuramente che no, io non penso mica che lo si sia a sola causa, ma a un momento dato c'è stato questa, è sicuro. C'è una volontà di piatta un secondo rep? L'armada, come dicono, la grande muette. Allora a me uno mi ha detto, un colonnello, un amico mi ha detto l'armada c'est la grande muette, mais la légione c'est la double grande muette. Donc bon, ma si può capire in qualche luogo, io questa non voglio mica... Bon, ma c'è un quantunque detto, dato parecchie informazioni a un momento dato, bon, l'ARS in particolare. Bimo, sai niente balà, abbiamo imparato feste clandestine di noi, a niente non una detta a voi di... Si può capire, capimo, ma come diceva Anzora, io, sapete, c'è una parola che è stata detta per il Presidente della Repubblica, ha parlato di Navera. È vero che i primi tempi si ria un po', abbiamo detto Navera, siamo mica 14, ma è vero che davanti a noi abbiamo un nemico che si vede mica, un nemico che è gattivo. Io, ancora mi stiro a Zogo, ho visto gente malata, ho visto gente smarrita, ho visto beguagliante oggi che hanno, come si dice, il Covid long. Giovani, mica solamente anziani, ma giovani che hanno parecchi problemi, hanno perso gusto, hanno perso la ore, sono stanchi, hanno avreba, respirano male, hanno parecchi affari ai polmoni, bibo sui che è un affaraccio. Questa è sicura. Dunque ci vogliono misure dure. Allora, ora cioè, il faut relativizzare, già radio francese, on n'est pas comme nos grands-pères dans les tranchées de Verdun, évidemment. Donc il faut prendre les choses un peu avec un peu de distance. Mais fa qu'una fare bon campa de un regione che campa di turismo a Gorsi Casana campa di turismo assai ad aiuti a stagione c'ho la abre mica c'ho la abre c'ho fa ben aien. Alors bon déjà sta parole a stagione a me non mi piace mica troppo di la Franca parce que stagione in Corsica come da stroce ne quattro. Bien sûr, il faut avoir en tête que c'est un pilier de notre économie, et en tout cas, encore pour quelques temps, j'imagine, et il faut le considérer. Je pense que oui, la saison va se faire, évidemment, la saison d'été, la saison touristique va se faire à différentes conditions. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, les médecins en Corse, ce que nous demandons, et nous allons le rendre public dans quelques jours... Qui est d'accord, oui. Si nous pensons d'outils d'accord. Quasi d'outils d'accord. On va demander... un élargissement de la vaccination à toute la population. La Corse, c'est un quartier de Marseille en population, 358 000 habitants, je crois. Actuellement, on a franchi la barre des 100 000. Il nous faut encore vacciner 200 000 personnes pour avoir la première dose. Si on s'y met, si on a l'aide qu'il faut, si on a les vaccins qu'il faut, on peut... avant le mois de juillet, vacciner toute la population de Corse. Ça serait un enjeu colossal. Alors, Pierrick, je ne sais pas, à Vittoria, pour bien de la vaccination, la Chinesi, en Corsica, est fait à Oshrinkiest. Je, Sébastien, et à Corsica, vince, et c'est mon test pour avoir de toutes les régions françaises, pour apporter les piccadures, et mon francado au bas, et avoir de 100 000 primes injections, et les Corsi sont plus de 30% à être vaccinés. Bon, visto così tutto va per o meglio, ma un basta per il brevetto di Corsica, dirà in Zerga, e l'ha fatto sapere perché le large durante la conferenza di stampa sabato scorso, dice che fermano troppo anziani con la nomica regione da Zobicadura. Nous sommes préoccupés parce que le taux de vaccination
On est arrivé à un niveau relativement satisfaisant, 30% à ce stade, mais on a des angles morts, notamment chez les personnes très âgées. Il y a encore beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner. Donc ça, c'est assez incompréhensible et c'est préoccupant, parce qu'en face, c'est quand même des facteurs de risque extrêmement élevés pour ces personnes. Alors, ben, ça, c'est le jour où il y a un bain-sir, comme Loïge au brevet. Tout le monde est demandé d'abord en Casazo, il y a un docteur, Serge Fitti, qui est le Gabiville du centre de vaccination de l'hôpital de l'Ouachetille. C'est plus d'une semaine à Gantz, bon, anche il y a un hérite où il va, hein. La visio di Pascale la large, un nemico usoio e secondo elle ci vuole piuttosto abbre la vaccinazione ad altre persone, state lo assente. Vacciner au-delà de la cible actuelle, je pense que c'est le souhait des élus, mais c'est aussi le souhait de l'ensemble des médecins de Lille. Alors je ne sais pas s'il faut descendre d'emblée à 18 ans, mais il faut très largement ouvrir la cible, ça c'est clair. Sur le Grand Bastia, ce que je peux vous dire, les 75 ans et plus, on est à 67%. Et ça sera actualisé demain. Sur les 70-75 ans, on a atteint la cible des 80%. Alors je ne pense pas qu'on soit si mauvais que ça, finalement. Je pense que là aussi, on est plutôt bon élève. In tutti i casi, anche se l'inimica aperta di maniera ufficiale la vaccinazione a tutti i soparetti, gente a vaccinare e anche i più giovani, come voi. Che ne pensate, dottore? C'è la pianta di vaccinare quelli che non sono mica elegibili, o ce la continua a vaccinare tutto il mondo? Ce la continua, cioè sicura. Come lui dice, autore Vitti, io sono d'accordo al 100%, e tutti gli autori, d'après sa me, di Gursi, sono d'accordo con questo. E sicuramente che, d'abord, il faut vacciner le persone âgées. Ça paraît tout à fait cohérent. Mais aujourd'hui, c'est cohérent dans une grande population, et chez nous aussi, bien entendu. Alors, le préfet de région a dit qu'il y a une grande partie encore de la population cible, au-delà de 75 ans, qui n'est pas encore vaccinée. On peut l'entendre, c'est une réalité. Il y a encore aussi des oppositions à la vaccination. C'est des positions, des oppositions, à mon avis, très irrationnelles. Hein, quand il y en a beaucoup ? Il y en a encore trop, je trouve. Et aussi, d'ailleurs, dans les milieux médicaux ou paramédicaux. On regrette terriblement que dans les hôpitaux, nos aides-soignantes ou quelques infirmières, pas toutes, bien sûr, mais quelques-unes ne se fassent pas vacciner. C'est ce qu'a pointé aussi le préfet, la dette, donc vous brevez tout l'astra. Et ça tient à l'irrationnel, hein, pour la plupart du temps. C'est des explications qui ne tiennent pas la route lorsqu'on les met bien sur la table. Le phénomène de l'AstraZeneca aussi, c'est la polémique. Oui, évidemment, il y a eu cette polémique, il y a eu cette surinformation qui, vous le savez, alors, comme moi, tue l'information. Une question en tant que basso sanitario, cette possibilité pour quelqu'un qui soit vacciné d'aller à Biedia, des autres, et plus qu'elle lâche, des idées d'accusante ou de la solution. Allora, sapete che se vuoi essere vaccinato, cioè sapete che ci aspetta un tempo per essere brudetti. E poi, dopo, cioè sapete che può piare la malattia e poi si è brudetto, ma può trasmettere. D'accordo? Dunque, per Awa, non è mica possibile, dopo me, per un tempo Awa, di cacciare e maschere, dice radio, o visere. Ma sicuramente che la fari in andata di me, guardate un... C'è un pensiero di variante, c'è... Sicura, ma guardate per esempio un America, un presidente americano, Joe Biden, ha detto che la popolazione che era vaccinata o che ha avuto il Covid, aveva poi sorte senza maschera. Voilà. Ma è vero che ci sono sempre i pensieri, non sappiamo mica, sapete... On gère l'incertitude avec cette maladie. Et d'être en mai ou quand, Vincent, de sa stadine déjà? On dira à peine à mai, mais on sait très bien qu'il faut au moins, il faut au-delà de 80% de la population vaccinée ou en tout cas ou qui a attrapé le virus pour avoir une protection immunitaire collective. Donc, ben, c'est redire tutti l'anni quei paesi più poveri con sono mica vaccinati e i movimenti di popolazione diversi variamo ma indiani o altri giunti e qui tutti l'anni giocherebbe a vaccinarsi d'orni. Vous savez, alors ouais ça, je suis pas virologue ni épidémiologiste et je veux pas jouer le scientifique invité à la télévision comme il y en a trop sur les plateaux télé. Mais humblement, en regardant, il faut beaucoup d'humilité dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que possiblement, parce que les coronavirus sont des virus qui sont récurrents, parce qu'il y a d'autres formes de coronavirus qui ne sont pas méchantes d'ailleurs, hein. Et on sait que ce sont des virus saisonniers qui reviennent. Celui-là, sans doute, il va avoir la même histoire. Et possiblement, on aura à faire d'autres vaccinations, possiblement, mais ce n'est pas sûr, parce qu'on a,
Il faut dire une chose qui est vraiment extraordinaire dans cette lutte, c'est qu'en peu de temps, en quelques mois, on a mis au point des vaccins qui sont d'une efficacité redoutable, qu'on n'avait pas réussi à faire pendant de longues années. Alors, ça, c'est bien. Tu es un docteur, un professeur qui est passé à Saïa Deli, et je suis un enseignant, un professeur Raoult de Marseille, a mis en avant la chloroquine, Biadia ou non? Je peux mettre un joker, là. Alors, vous avez droit à un seul. Hein. Non, mais je vais répondre tranquillement. Et on a eu beaucoup d'espoir, évidemment. Aujourd'hui, il semblerait que les études démontrent que l'activité de l'hydroxychloroquine sur le virus n'est pas avérée, comme d'autres molécules, d'ailleurs, l'ivermectine que l'on emploie dans la gale, par exemple, ou dans d'autres pathologies tropicales, c'est pas avéré. On ne peut pas dire qu'il y a une efficacité. C'est bon, on a bien le traitement. C'est bon, on a dit vaccin, on a dit vardiolo, comme dit Certi, mais il y a du traitement. Alors, vous savez, la plupart des virus, il n'y a pas de traitement direct. Il n'y a pas de traitement qui élimine le virus comme on a les antibiotiques pour les bactéries. Mais on a des thérapeutiques qui sont efficaces, non pas sur le virus, mais sur les pathologies qui vont arriver derrière le virus. Vous savez, ce qui nous a révolté, nous médecins, au début de cette pandémie, c'est qu'on ait dit aux gens, il n'y a pas de traitement, vous restez à la maison, vous prenez du paracétamol, et puis quand vous vous étouffez, vous faites le 15. Ça, c'était insupportable pour nous. Ce que l'on sait, nous, médecins, humblement, encore une fois, avec beaucoup de modestie, parce que on fait notre métier avec humilité, c'est qu'on peut soigner les gens. Quand on les prend en charge, quand on s'occupe d'eux, quand on leur donne des traitements symptomatiques, quand on traite leur fièvre, quand on traite leurs symptômes, quand on leur donne de l'oxygène, on peut les traiter. Et d'ailleurs, on a sauvé beaucoup, beaucoup de vies et on a soigné beaucoup de gens grâce à ça, grâce à notre implication. Alors, on continue à parler de vaccination. On a salué Pierrick qui a travaillé abastanza. Merci d'être venu, Pierrick, encore une fois. Merci, professeur. Cette question de vaccination est d'hier augur et de la visite de la ministre Marlène Schiappa en cours. Et on a parlé de politique. Les pages sont ouvertes. Regardez-vous. Corse vient aujourd'hui d'accéder au pouvoir régional. Par carità, je vous la ferme un petit peu. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Que l'on fait assez comme égal. Alors, Pierre, Marine Schiappa dira in Corsica, au principe du mois, per parlare di Corsica, campione di vaccination. Il est escalado in Ajaccio l'8 d'avril scorso, plutôt, je suis in Sarro, la Garcupino, au centre di vaccination di Leclerc, di Baleone. Et voilà, Paris, a quasi intera zoia, ministre. Alors, bienvenue et très honoré de votre présence, pardon. Attention, des visages familiers donc pour la ministre, même très familiers, puisque Marlène Schiappa est tombée sur sa grand-mère venue se faire vacciner. Oh, mais c'est ma mère. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça va? Ou ce contre de Rado Bogu, qui est ministre et à Zoskoar, a témis à nous qui j'étais à Zéguen, ça s'y a huit à comme un col pour des communications dans 10 pistons. Je te laisse. Ça y est, tu t'es fait vacciner? Non, mais ça prend plus tard. La ministre, une rencontre surprise. Infatti, dire una suspresa vata da Michel Mozigonacci, qui conosce bien la famille, suspresa maior per la mamie di ministre. C'était une surprise parce qu'on ne me l'avait pas dit. Et ma petite fille m'avait envoyé un message seulement me disant qu'elle venait à Ajaccio, mais sans plus. Et voilà, et j'ai eu la surprise ce matin d'avoir arrivé. Et voilà, et on s'est fait un gros bisou toutes les deux. Alors la visite du centre de vaccination de Baleone et par Marlène Schiappa s'est résumée en un mot. Bravo. Et oui, parce que dans ce centre, on peut vacciner jusqu'à 1500 personnes chaque jour. C'est plus que dans bon nombre de centres de vaccination sur le continent. Ce qu'on n'a pas manqué de souligner, le docteur Jean-Paul Carolacci. Quand on voit l'organisation, notamment quand on parle du Stade de France, 1500 vaccinations sur 2000 m² avec 20 lits, il y a un problème d'organisation. Ouais. Parce qu'on arrive à faire la même chose sur 200 m². Donc c'est que... Ben c'est aussi pour ça que je suis venue là, voir voilà. Justement quels sont vos process et comment vous avez réussi peut-être à sortir des cases pour être efficace. Marlène Schiappa ha passato più d'un'ora in un centro, anche assistato alla vaccinazione di sta donna che ha accettato di vaccinare davanti alla camera. Ça va, vous allez bien sûr, il n'y a pas de problème.
confiance. Hein. Alors, José. Malgré la caméra, au protocole, est stato rispettato de manière azière et à toutes les demandes du fameux questionnaire ont été posées. Est-ce que vous avez des accidents de vaccination, des hématomes? Non, non, non. Vraiment, vraiment toutes. Je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous avez une grossesse? Non. À mon âge. Donc vous êtes candidate à la vaccination? Le lendemain, direction l'extrême sud pour Marlène Stiap, un passage au centre de vaccination de Porto Vecchio pour féliciter tous ceux qui y travaillent. Elle était accompagnée du député Paul-André Colombagne et du maire Jean-Christophe Angelini. Ensemble, ils ont bien montré l'exemple en matière de désinfection des mains. Ils ont frotté pendant longtemps. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Très, très longtemps. Nantes, Marlène Schiappa est rendue in de uso amigo Jean-Charles Orsucci in Bunivasio, un logo qu'elle a connu assai bien, qui administre et originaria di Zota, giusto accanto. Je suis très heureux de recevoir une amie ici à Bonifacio. Je dirais chez elle, parce que notre communauté des communes et nos liens, on vient encore de le voir à l'instant, avec la commune de Saute, dont on est tous un peu originaires, moi, surtout Madame la Ministre. Alors l'histoire ne dit pas si Jean-Charles Orsucci serait prêt ou non à accorder un tarif diaspora à Marlène Stiapa. En tout cas, le maire de Bonifacio s'est montré très généreux avec la ministre, déjà en la faisant monter en grade. C'est un très très grand honneur pour moi de recevoir Madame Schiappa, ministre de l'Intérieur. Et en lui offrant de quoi remplir sa bibliothèque à Louse ou Julien Lepers. Ce deuxième ouvrage, une fois que vous avez lu ça, vous savez tout, sur, tout, sur, tout sur Bonifacio. Et donc, je voulais vous remettre ces 15e journées universitaires. Ce sont les fans corses. Le corail de Bonifacio aura toute sa place pour vous protéger. Il redonne une mica l'étiquette de la République En Marche, qui administre à Rimes une disomane au maire de Bonifacio, mais on l'appelle Sécuricite. Mais la ministre a bien sûr profité de ce voyage pour assurer que Jean-Charles Orsucci sera bien investi par la République En Marche pour les élections territoriales de juin prochain. Bien évidemment, Jean-Charles Orsucci est un ami. C'est quelqu'un qui est très écouté à Paris, qui a eu la gentillesse de m'aider à préparer ce déplacement en Corse. On se parle très régulièrement, il est très écouté. Et donc, bien évidemment, vous le savez, c'est notre chef de file pour les élections territoriales, pour La République En Marche. C'est notre homme ici, sur l'île. On a vu ici que Gilles Simeone, un ami qui a éguidé, era impedido a ciò che l'ha detto. Oui, mais le président de l'exécutif est agui pour accueillir au début de la semaine deux autres ministres, Jacqueline Gourault et Jean-Baptiste Lemoine. Oui, et quand Jacqueline Gourault et Jean-Baptiste Lemoine sont scalati au début de la semaine, cette fois, Gilles Simeone est bel présent et visité par un detto à biscuiterie à Dava qui a bénéficié de un plan France Relance. À vigilia, era di nuovo ai lati di Jacqueline Gourault in corte per firmare due convenzioni. Et si Gilles Simeone semblait si détendu et coopératif, c'est parce que le matin, Jacqueline Gourault a signé avec son ami Pierre Sahué les 150 millions d'euros d'actions financées par le PTIC pour la ville de Bastia et la CAB. Femagour, cela s'était pourtant montré très critique vis-à-vis de ce plan et de ceux qui l'ont signé, comme Jean-Christophe Angelini et Laurent Marcangeli. Un changement de braquet des élus issus de Femagour, c'est un changement dû à cette phrase prononcée par la ministre. J'insiste bien sur le fait. Négociation avec les grandes villes, les agglomérations et les intercommunalités, et également en parallèle avec la collectivité de Corse sur ses compétences, sur les grandes infrastructures, etc. En fait, cette phrase avait été négociée par Gilles Simeone le matin lors d'un petit déjeuner à huis clos avec la ministre. On verra si elle se concrétisera dans les faits. Les rapports semblent se détendre donc, enfin, du côté de Gilles Simeone, puisque du côté de Jean-Guy Talamogne, il n'a pas souhaité participer à ce voyage qu'il a qualifié de flânerie ministérielle, ce sont ses mots. En revanche, en ce qui concerne les territoriales, Jacqueline Gourault s'est montrée un peu plus prudente que Marlène Stiapa au sujet du soutien du gouvernement vis-à-vis de Jean-Charles Orsucci. Écoutez. Écoutez, je ne suis pas là pour m'immiscer dans les élections qui vont avoir lieu en Corse. Ni c'est même en campagne, à deux mois du scrutin. C'est les Corses choisiront eux-mêmes. Et à la différence de Marlène, moi, je ne suis pas corse. Alors, boys et les Corses, oui. On a parlé à peine de l'élection, oui. Mais pour jouer en campagne et partout. Tu attends cette élection et des militants et des mouillants à temps pour aller à l'ébiga municipal et bien dire que je n'ai pas pia sourire ou cette urte. Allora, quando abbiamo passato il mese di marzo 2020, anche ben sero che abbiamo avuto, sapevo che in Balagna è stato il primo giorno che è stato a Bartu, e eravamo assai impensieriti, sapevamo che l'edizione hanno fatto. Oggi, sicuramente l'organizzazione sarà mica la stessa. Dopo, la democrazia che ha aumentato si via. A di la Franca, è vero che noi, scientifici, dottori, abbiamo preferito di vedere questa edizione riportata
en hiverne ou en septembre ou d'octobre, lontano di a grisa i giaradio. Ma sono mica persuaso al 100% che non si può mica dare, allora... Ma c'è da voler dire le condizioni enfin, che sono state annunciate dal governo, bella di vaccinare tutti gli assessori, vaccinare di noi i personali di Scania, a grisa. Biaremo se le giugnano, se le giugnimo. Bon, più in Corsica può darsi forse più che in Astro. Sì, ma dappertutto non il territorio nazionale, vuoi dire? Sicuro, sarà un affarone, sarà difficile. Io penso che bon, l'affare è lanciato. E a Beura, con tu, che di vera donna si è appiccicata per festeggiare, perché ce n'è che non vince la selezione, sono pareti a parte, ce n'è uno che da vince, o pareti. Un messaggio di noi, di responsabilità, di eletti che si sono appiccicati per Emone Gibali e uno non parlare. E forse non mi caritano, da casa zona. L'hanno fatto, la pensate. E io, sicuro, penso che questa è questo pensiero. Niente che sta riunita. Bon, voilà, è vero che, visto stivati, è un più una campagna che adesso è un po' complicata. Come si fa la campagna, andare a elezione senza bere gli elettori veramente, adesso è un po' complicato. E di democrazia, sarebbe una vittoria della democrazia, possiamo pensare che la partecipazione adesso è comunque debole, anche se nel 2017 era già assai debole, 53%. Sarebbe una vittoria allora, di democrazia comunque? No, io direi che la democrazia ha aumentato ciò che la si via, cioè che le elezioni si vissero. Questa degli altri paesi si sono fatte, una Imagna, Greco o d'Astro, le elezioni si sono fatte. Dunque, si può pensare che se le condizioni sanitarie ci sono, si può nuovare. Allora, come puoi dire, come avete detto, è vero che è un po' complicato, è vero che a sera di... Dopo si cappiano. E questo è l'affare, questo è il nostro pensiero, questo sì. Come dottore di Giaria, riportiamole. Questa... Ah, ma continua a parlare di elezione, di campagna, ma piuttosto non ti vendo con un cartulare che si vuole imbidare in questa campagna, ma che strasia di appena fa la udema di mafia, di criminalità organizzata, a Macoia nostra seconda imbidata di Marie-France Giovanangelo per il gulettio a Mafiano e a Vidaie. Buonasera Marie-France Giovanangeli, ringraziati di essere con noi. Siete direttrice di un grande magazzino, anziana bontella di USTC, militante nazionalista di prima drinka e un anno e mezzo fa con parecchie persone della società civile ed è messo un ballo un collettivo antimafia a Mafiano a Uidaie. Oggi a Corsica ne conta due e anche se l'affare pare non cambiare, la questione del grande banditismo è tanto presente nella scena politica. La sessione dell'Assemblea di Corsica che si deve sciogliere nella mafia, promessa dalla maggiorità, non è anche fatta, ed è notizia di questa sessione? No, non abbiamo mica notizia di questa sessione. Ci abbiamo detto che si può andare a Dene al mese d'aprile, ma dopo non abbiamo più notizia. Noi, ma la nostra lotta non si ferma mica, non principia mica con questa sessione, non si ferma mica a questa sessione. Allora, con la campagna forse non si dannerà più, vanno portare voi se fuori le canzoni non so, ma non si dannerà più allora che l'elezione è sicura. Dunque, si parla poco, diceva Pierre Aua, di questa tematica di criminalità, nei programmi si sente parlare la pena di probità, di trasparenza. Come è da fare per parlare di Sugartulare? A momento c'è stato pensato di parte di va una lista? Di vero mica? Allora, no, il Guletti non farà mica una lista a questa elezione, ma di sicuro il Guletti pierà la parola. Se vostra questione di va una lista, contunque ne è parlato appena, contunque si è detto che allora ne abbiamo parlato una volta ne abbiamo parlato, poi ci siamo detto no, l'azione di Ugoletti non è mica un'azione nata a scena di l'elezione, ma per fare una lista, ma torno una volta, di voi il principio, PM a parola annanta o problema di mafia e di sicuro abbieremo d'orne di questa elezione e ma pone i candidati sicuro e ma pone parecchie questioni ai candidati a prima di questione pensate come noi che l'uccisi pia una mafia in Corsica e chi conta dei va per lottare contro sta mafia. Di a barro la mafia che va aspettato, se parliamo di criminalità organizzata, di romanitismo, di a barro la mafia. Chi... Di a barro la mafia che ne aspettiamo e per quel che la questione sarà pensare come noi che l'uccisi per una mafia in Corsica.
Alors, pour le gouvernement, les médias nationaux sont déjà rendus à compte d'une époque d'escorte, des écoutes, de conversations, notamment de leaders présumés de la bande du Petit Bar, qui disaient que c'était en fait à cause du battage fait par les collectifs que les opérations de police, que l'État avait changé sa manière de voir les choses, et on a vu des opérations de police. Vous pensez que c'est la cause de ces opérations? Alors, en tout cas, dès la création de notre collectif, nous avons été amenés à souligner la relative faiblesse et le manque de résultats de l'État, police et justice, dans la lutte contre la mafia. Et à chaque fois que nous avons rencontré des responsables politiques de l'État en Corse, de haut rang, des préfets, nous avions rencontré Josiane Chevalier, Franck Robine, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron lors de sa visite en septembre, le procureur de la République. À chaque fois, nous avons mis en avant notre préoccupation, encore une fois, sur le manque de moyens dont l'État pouvait disposer dans cette lutte, et peut-être même le manque de volonté politique dans cette lutte. Peut-être avons-nous fini par être un peu entendus. Ce n'est pour nous qu'un début. Nous avons la faiblesse de penser, en effet, que nous sommes pour quelque chose dans les progrès réalisés, et nous espérons qu'il y en aura d'autres. En tout cas, il est vrai que l'État a porté là un coût important, et encore, les enquêtes ne sont pas terminées. Il faudra mais attendre sûrement policier, quelques semaines et quelques mois. Pas, pas de résolution. Quand on a lu ces écoutes, qu'est-ce que ça fait de se faire distribuer un bon point par quelque chose que l'on combat? Ce n'est pas quelque chose que l'on apprécie particulièrement. Enfin, moi, personnellement, voilà, le sentiment de Jacques Santon, c'est pas... Est-ce que justement, ce n'est pas aussi un risque que vous prenez, puisque quand on dit que c'est à cause de vous que ces opérations sont menées, on pense aussi que vous pouvez être en représailles visées, les collectifs dans leur ensemble. Il y a avec ou sans ces propos, depuis que nous avons constitué ce collectif, nous avons tous conscience que nous prenons en effet un risque. On ne peut pas à la fois dire qu'il y a une véritable mafia en Corse, et penser que lorsqu'on met sur la place publique ce problème qui, vous l'avez souligné au début de cette émission, c'est vrai, avant l'existence des collectifs, n'était pas un problème qui était posé. On parlait quelquefois du banditisme en Corse, mais jamais de la mafia. Maintenant, même si le propos n'est pas retenu par tout le monde ainsi, on voit bien au moins le débat qu'il suscite dans la société corse. Bon, en tout cas, dès lors qu'on a posé ce problème, est-ce on en connaissait les risques. Est-ce qu'il y a eu des menaces précises sur des membres des collectifs ou plus globales? De manière personnelle au collectif hein. À ma connaissance, pour ce qui est du collectif Amafiano à Huidaye, aucun des membres du collectif ne s'est plaint à l'heure actuelle de menaces, et je ne pense pas qu'il y en ait eu. Et j'allais compléter mon propos de tout à l'heure en vous disant que nous sommes à la fois conscients que notre combat peut être un combat dangereux. En même temps, nous pensons que ce combat public nous protège quand même. C'è gente che ben ascontrabi di antiminacciati che ben a palisa queste minacce. Si pareti e vittime o di antiminacciati ben nu a scontra o gulettivo, ma per awa sta gente un polemica aveva una parola pubblica. E perché un manumit cabede a bulizia o a giustizia? Certi so di gente di abere a bulizia o a giustizia, certi pensano non mica che a bulizia o a giustizia possa avere qualcosa a berelli. Et ben, elle nous a parlé au Gouletti ou Dino. Alors, votre démarche est aussi clivante. Vous avez pu, à des moments, mettre en cause des avocats, les politiques, les médias, et des fois de manière un petit peu générale. Est-ce que vous regrettez ces propos? Est-ce que c'est de nature à susciter l'apaisement que vous cherchez dans la société corse? Alors, c'est un... je vais faire une comparaison aussi, parfois, avec le mouvement... Tout à fait, présomption de culpabilité, avec le mouvement IWOS, dirais-je. Lorsque la parole est longtemps contrainte, lorsque pendant longtemps on doit se taire, eh bien, lorsque cette parole sort, parfois, elle n'est pas toujours... elle peut être maladroite, elle peut être clivante. Ce n'est pas ce que nous cherchons. En revanche... Nous ne souhaitons pas non plus que les problèmes soient mis sous le tapis. Donc forcément, nous bousculons, forcément, nous remettons en cause un mode de pensée.
il y a quand même toujours une partie de la classe politique qui est dans le déni. Il y a une partie des membres liés à la justice qui peuvent être dans le déni. Nous, notre rôle, encore une fois, c'est d'être des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai que ça bouscule les idées reçues. Ed è tu chi dirà un affare nuovo, di vero che i collettivi antimafia in corsa sono affari nuovi, ma è manifestazione, se ci sono state ancora 30 anni fa, ci ricordiamo quello con i giocisti, per esempio, in davanti. François Agostini, su base di un gran banditismo, di una criminalità organizzata, di una mafia in corsa, usi antide su base? È una realtà, non c'è mica dubito. Hein, c'est mica double. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans un discours sémantique, dans une discussion de mafia, bande organisée. Pense qui si vous dites, oh, il y a mafia, tout est réuni, d'où est-ce que ça. La première chose que vous lui dites, c'est vraiment rendre hommage à ces gens qui ont du stomac, qui ont du courage de visage, de tranquillement, de dire, oh, il y a dénoncé, il y a mandé des gens qui viennent avec nous. C'est un affaire qui n'est pas stato fatto comme l'est stato fatto. E voglio rendere omaggio a Leo Battesti, che è stata l'iniziativa, e poi a tutte a Marie-France e a D'Astre, sicuramente, che sono in questo muovo. Francamente, è una speranza di più per noi, di sorte di questa fare. È una realtà, è una realtà. E il terreau pour, il terreau pour. Una situazione politica che ha été ce qu'elle a été pendant de très, très, très longues années. On a cambiato de nom d'avoir une journaliste au Boudère et on a cambiato de nom. Une journaliste au Boudère et on est tant que les disons. Il y a ces années, ça fait des années, visiblement, qu'elle est abbastanza longue, d'après ça, per distruggere sta faraccia. Ma on a nommé qu'à Boudère. Mais sicuramente, c'è ni Boudère legislativo, ni Boudère ebulizza. Bon, ma ahua, è una. Un Boudère ebulizza di in Corsica a. A sua parola ha di e sicuramente spero che questa decisione si dava e che si vorrà sciogliere un po' più a parola. Dopo siamo in una situazione adorna a Corsica, sappiamo tutti, siamo tiuga e anche c'è una prossimità, è difficile, c'è il coraggio, c'è il stomaco a di. Ma penso che sul lavoro che è fatto oggi per questo collettivo è meglio, è meglio. L'interpellazione che vous aviez réalisée sur la présomption de culpabilité à rebours de la présomption d'innocence pour constituer les listes, vous la renouvelez, on est en période de constitution de liste, c'est-à-dire vous lancez un appel, un avertissement aux candidats qui vont constituer leur liste? En tout cas, nous espérons que les candidats qui constituent leur liste seront attentifs à ce que ceux qui n'ont pas pris clairement leur distance avec la mafia ne soient pas présents sur ces listes. Maintenant, on ne va pas nous distribuer les bons et les mauvais points. Le peuple corse regarde de toutes les manières et se fera une idée précise. Fare una serie di lavori, fare un carruaggio, parecchi affari così, e di confianza in la bene, in la giustizia, in lo Stato. Alors, le combat que nous menons, c'est un combat qui va être long. Et nous passons par des moments de grand découragement, des moments où nous reprenons confiance. En tout cas, nous savons, docteur tout à l'heure le disait, cela fait plus de 40 ans que ce problème est installé en Corse, finalement. Donc, c'est vrai qu'on n'espérait pas qu'il se résolve en une mandature de 6 ans. Maintenant, ce que nous espérons de nos élus, encore une fois, de nos futurs élus, c'est qu'ils mènent des actions concrètes. On a parlé de la constitution des listes, mais on pourrait parler aussi, dans cette future assemblée, de la manière dont on va appréhender la question des marchés publics. Est-ce que on va se donner les moyens de favoriser une plus grande équité dans la répartition des marchés publics et faire en sorte d'écarter des sociétés qui pourraient être liées à la mafia? Est-ce que cette assemblée va avec nous revendiquer le statut de collaborateur de justice pour ceux qui se détachent de la mafia aujourd'hui et permettent, si ce n'est son éradication, de lutter contre la mafia? Sachant qu'il faut des éléments probants à l'encontre de ces sociétés supposées liées à la mafia. Oui, c'est un peu le problème. C'est vrai, mais il y a parfois des condamnations plus ou moins importantes, des sociétés ou des personnes qui ont été condamnées, par exemple, pour abus de biens sociaux. On espère
dire qu'il y aura une plus grande attention à ces faits, qu'il y aura aussi une plus grande attention et que la collectivité saisisse la justice pénale, par exemple, si elle constate que dans les agences et offices dont elle a la charge, il y a de graves dérives, idem pour des institutions qui seraient proches de la collectivité, comme le parc régional ou les SDIS. Alors, mon gabi, on va continuer à parler de ce sujet ou encore à la campagne, mais pas ça, on entre sur le sujet, on a dit confiance à Strapada, de l'heure de la chronique à mémoire. Et pour le thème ouvert, 35 ans va in d'arrêt, à fin d'avril 80, où le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl stiata, et le bigao nul a eu d'arrestation à Vontier, comme a dit le gouvernement. 35 ans au bout, un 6 ans, où les danni veramente qui sont stati fatti, mais où il lancio est nero. Pour le thème, in de passato, memoria di accunciato da Lionel Luciani et Vanessa Cugliuli. Accident dans une centrale nucléaire près de Kiev, en Union soviétique. Les 50 000 habitants abandonneront leur maison sans panique en 2 heures et 20 minutes. À ma droite, à 200 mètres à peine, Strasbourg. Aucune consigne de sécurité depuis l'accident de Tchernobyl. À ma gauche, à 200 mètres à peine, Kiel, en Allemagne. Là, les consignes de sécurité sont très strictes. Que la Corse a été particulièrement touchée par le nuage de Tchernobyl et que les Corses n'ont pas été du tout informés de cette affaire, comme le reste de la France d'ailleurs. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. Il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Ah ça, je peux vous dire qu'en France, du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Dans la presse nationale aujourd'hui, des cartes sont publiées précisant le taux de radioactivité en becquerel quotidiennement depuis le 30 avril. La Corse ne figure pas. Nous contrôlons la radioactivité grâce à des prélèvements que nous faisons en mer, au niveau des îles sanguinaires, et également le contrôle de radioactivité au niveau du lait. Et nous recevons régulièrement des résumés, mais pas de résultats ponctuels. De toute façon, je pense que s'il y avait eu une anomalie quelconque, on nous aurait avertis. En Italie, depuis le début du mois, le bulletin météo diffusé sur la RAI fait apparaître un nuage rouge symbolisant un taux de radioactivité dans l'air anormal. De plus, au début du journal, est énoncée une liste de produits, lait, légumes, qu'il faut éviter de consommer. En France, rien de tout cela. Et puis samedi, la polémique a rebondi sur ce dossier au sujet des taux de radiation enregistrés sur le territoire français. Ce jour-là, on apprenait, en retard et non sans surprise, que le nuage radioactif consécutif à l'accident de Tchernobyl nous avait touchés. Il augmentait la radioactivité dans le sud-est d'un facteur 100 au minimum. Nous avons eu une petite indication, un clignotant, qu'on n'a pas su interpréter tout de suite, qui était sur la Corse. Il y a eu un véritable blocage de l'information, et ça c'est parfaitement dommage. Ça c'est parfaitement dommageable. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, monsieur Pellerin. Pourtant, en Corse, des prélèvements sont effectués. À la gendarmerie, dans 17 brigades, sont placés des radiamètres. Un système d'alarme se déclenche quand la radioactivité atmosphérique dépasse un seuil. À signaler, aucune alerte n'a eu lieu les jours passés. À la météo aussi, des contrôles sont faits. Après ça, est envoyé à Paris, en laboratoire, et ils font les études. Alors, quel est le taux de radioactivité normal ici en Corse? Ça, je ne sais pas exactement. François? Le taux de radioactivité sur la Corse actuellement? On l'ignore parce que ça s'est fait en étude, enfin en laboratoire. Chiffré en becquerel par mètre cube d'air et on n'a pas connaissance des taux. Et les résultats, on vous les communique? Je pense que vous faites allusion à l'épisode qui est d'actualité, mais on recevra ça, je sais pas, dans 2-3 mois. Alors finalement, fin d'après-midi, c'est le ministère de la Santé qui a pu nous communiquer le taux de radioactivité, en tout cas un chiffre, 25 becquerels pour la région du Sud-Est. Encore une fois, il n'y a rien de précis sur la Corse, puisqu'il ne s'agit que d'une moyenne. Le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, dirigé par le professeur Pellerin, minimisera alors les chiffres de la contamination
en réalisant des moyennes par département qui gommaient les pics les plus importants de pollution. Lors de ces deux explosions, des milliards d'atomes radioactifs sous forme de gaz et de poussière seront lancés dans l'atmosphère, essentiellement du césium et de l'iode qui se fixent sur la thyroïde. Est-ce qu'objectivement, il y a des preuves scientifiques des maladies induites par le nuage en France ? 4 jours après l'explosion, la pluie n'a cessé de tomber sur une grande partie de Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Sur 56 vaches qui ont mis bas, donc avant la fin du mois de janvier, actuellement il y en a 23 qui ont perdu leur veau. Des veaux morts, victimes de malformations, probablement dues à la radioactivité. Dominique, 10 ans, et sa mère, en robe rose, ont débarqué ce matin à Orly. Ils arrivent de Valica, un petit village des montagnes corses, une famille de fermiers. Il y a quelques semaines, après la catastrophe de Tchernobyl, on avait relevé en Corse des taux de 5000 becquerels par litre de lait, 10 fois supérieurs à la norme européenne. Je me suis renseignée et j'ai su que mes légumes, mon fromage et tout, c'était contaminé par ce nuage. Donc je suis venue ici à Paris pour faire un examen médical de gosse. Car mes enfants, ils mangent des produits de la ferme et j'avais peur qu'il n'y aurait pas eu quelques désastres. Ils avaient des boutons, on n'arrivait plus à les traire. On en avait parlé à la télévision, bon, mais les gens n'étaient pas informés ni inquiétés. 15 ans plus tard, la Corse a été l'une des régions les plus touchées par les retombées du nuage. Quant aux malades de la thyroïde, bien plus nombreux aujourd'hui, ils veulent savoir. Pour la première fois en France, à leur demande, une enquête épidémiologique a été lancée. Et moi, je suis Berus Compiant, on avait la grande avalade. Dis-nous, Brigouda, dans l'Ebiga, era des internes et Medellin. Et je me suis arrivé à la maison. Que mon mari a eu un peu plus peur que moi. Il y a une vie de luce qui vient de naître, à notre vie, il y a 2 ans. Et nous avons tenté de faire certaines affaires à manger, etc. etc. Mais, quand je vois Denis Fouconnier, qui a été lui aussi un lanceur d'alerte à son époque, que d'aucuns décrivaient comme un luberlu, mais c'était un homme extrêmement attaché d'abord à son travail, à sa terre, à ses patients, et il a été très très rigoureux dans son travail. Heureusement qu'il y a eu la CRIRAD qui a pu révéler tout ce qui s'est passé. C'est véritablement une catastrophe. Alors cette catastrophe, ben, elle se poursuit maintenant, hein, parce que on mesure certains radionucléides comme le césium, comme l'iode radioactive, mais il y a d'autres radionucléides que on mesure pas ou mal, et qui sans doute pour des centaines et des centaines d'années vont encore créer des pathologies Alors, graves. Alors, Willan, tu si conosce mica veramente di maniera precisa, ma si sa che per esempio per un cancro di roida in dell'omo c'è una crescita di 30%, tre volte di più che in dei studi a Francia. Un dottore che voi conoscessimo, Gulladi, in dei paesi di Gusta, a scontrarlo questa settimana, è sempre arrabbiato, amaro di non donare mica questa informazione usentima ora. C'est écœurant, mais je ne comprends pas que d'autres personnes ne s'indignent pas en... En 1996, il y a une dépêche AFP qui fait état d'un excès de cancer chez les enfants dans cette région, le cancer de la thyroïde. La Direction générale de la santé nous promet qu'on va nous donner toutes les explications là-dessus. Les chiffres sont corrigés, ils sont étalés dans le temps, on efface le pic de ces cancers de la thyroïde, et à partir de cette époque-là, le registre disparaît. Donc ce registre cesse de donner des informations. C'est quand même très grave. En France, Joël Nangi, à l'Ebiga, il y a des propos engagés en politique. Tigri, il y a des adhésions officielles du Stade à l'Ebiga. On n'imaginait pas, malgré tout, la gravité de la situation et les conséquences qui en découleraient. Et on se rend compte aujourd'hui, mais le docteur Fouconnier nous avait déjà alerté là-dessus, que manque de transparence et mensonge d'État, au-delà de la morale, eh bien ça devient carrément criminel. Est-ce que vous pensez que ça fait écho à ce qui se passe aussi aujourd'hui, toute proportion gardée, bien entendu, mais il y a beaucoup de méfiance de la part des gens après tout ce qui a été dit sur les masques, par exemple, sur le vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un effet aussi de Tchernobyl là-dessus ?
Il y a vraisemblablement un effet Tchernobyl là-dessus. Ce n'est pas forcément la seule explication, mais il est vrai qu'à plusieurs reprises, encore une fois, ce manque de transparence, le fait de ne pas forcément considérer les citoyens comme étant des êtres responsables. Plus de confiance, vous partagez cette idée qui a pu jouer encore aujourd'hui. Là aussi, il faut toute proportion garder. Je crois qu'on n'est pas aux mêmes époques et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup plus de volonté d'information. Mais il n'empêche que souvent les gouvernants, et surtout si dans un pays extrêmement centralisé où on veut vraiment garder l'information, évidemment, on peut avoir cette tendance. Il faut savoir, rappelez-vous, mais c'est grâce à la Suède qu'on a su qu'il y avait le nuage de Tchernobyl d'abord, puisque c'était les premiers qui ont averti l'Europe. Et puis ensuite, absolument, quand on voit ce reportage, c'est à hurler, quoi. C'est absolument incroyable, incroyable. Mais c'était la réalité aussi brutale, aussi abominable. C'était la réalité de l'information de ce temps. 35 ans après, on sent encore beaucoup d'incompréhension. Marie-Françoise Joannan, Ben Macapia, Birin Gradiem, des Stades à Nochrimbidal. Boy, François Agostini, Stade à Penagonoy, qui poche tout qui dira moins de l'arqui, et Moudrou, ou Vorce à Ostabrim, à télé d'Idoutor, et dira in le 91, et dira per un report dans l'antenne d'Igalvi. En Balagne, médecine hospitalière et médecine libérale semblent bien cohabiter. Pas de rivalité, la coopération s'est développée au fil des années et c'est efficace. La coopération est totale et je crois que je parle en même temps au nom de tous mes confrères libéraux de Balagne. C'est assez remarquable la coopération entre le secteur, je dirais, public et le secteur privé, entre guillemets, dans cette micro-région. Bon, è da cambiare da pena, ma si de più giovane chi non so come è arrivato. Non lo so come è arrivato, più giovane no, credo mica. Perché è più giovane? Forse all'ebria, ma me ne ricordo manco più di questo reportage. Enfin, in tutti i casi era un'altra ebria, era l'anziana antenna Migale Galvi, niente su riporto questi. Diro Brinci, mi dirò questa carriera, si è geriatra di formazione, ma presto visita di Stato in generalista. Allora, giusto appunto, ma ha dato un'occhiata di nuovo all'antenna, di stato un combatto per voi di Vanasci, l'ospedale di Galvi che non conosciamo qua, ma l'antenna di Lebica, figliate su pezzo di ritratto di Lebica. L'antenne médicale de Calvi existe maintenant depuis 14 ans. Elle a été créée pour répondre aux besoins de la population de Balagne qui en était tous les ans triple. 1977, on crée une antenne médicale à Calvi. Cette création se fait sous la pression populaire. À l'époque, il fallait compter depuis la Balagne 3 heures de route pour rejoindre l'hôpital de Bastia. Quelques accidents gravissimes survenus pendant l'été décident les pouvoirs publics. Le développement de l'antenne est souhaité par la population de Balagne. Cette population triple pendant l'été. Accidents de la route et noyés sont alors le lot quotidien de l'antenne qui enregistre des pointes de 1000 malades pendant juillet et août. L'hiver, l'activité est réduite, certes, mais elle s'est diversifiée. Les médecins doivent faire face à toutes les situations. On a été obligé de diversifier d'une manière ou d'une autre le travail. À partir du moment où il y a eu une création de lits hospitaliers, il y a eu une autre demande qui est arrivée. Et je pense en particulier à une demande qui rend des services extraordinaires. C'est l'hospitalisation dite de jour. On traite à Calvi nombre de cas de chimiothérapie qui auparavant était traité soit sur le continent, soit à Bastia. Alors, 30 ans dopo, ci è arrivato a strappare un ospedale in Calvi, dire una domanda a Maio, ci vuole un stabilimento di salute così in Calvi? Sicuramente. 77, hai 17 anni, anche io sono andato a Tinami in Antea Strava, a Calvi, perché ne abbiamo un'antenna. Poi, un combatto di dottori che vengo a Nante o Vilmetto, ha permesso che abbiamo un ospedale. Io che c'ho io all'ospedale, non è mica un ospedale lone, ma per ora è ciò che lui ci vuole. Ci vuole svilupparlo, ci sviluppiamo, ci pare di affari. C'è abbastanza per far fronte all'urgenza e poi di nuovo a popolazione che si moltiplica in Balagna, è sicuro. Allora, per far fronte all'urgenza, l'urgenza è ben organizzata. Dopo c'è un servizio di medicina che è abbastanza organizzato anche lui. E poi a sviluppare dei mesi che vengono, su cui si chiama l'ospitalizzazione in casa, l'ospitalizzazione a domicilio, che ci mancava. Allora che una legge deve essere in tutte le regioni, ma in Balagna non era mica.
Alors, avant, c'est d'ailleurs, non? Donc, nous sommes contents. Parce que vraiment, nous nous trouvons à l'hôpital de Galle, mais où je trouve le travail de docteur de campagne, l'aime d'avoir dans le pays. Quand on s'en a pèse di Teatro Mascon, di Dumajunami, di Dantastri, di Canivalanini, e poi boi Sébastien, di Ouvrumai, o più buono di Gorsi, alors on est mica au nostro paese, François Agostini, ma ci campade e ci draoiade, e soprattutto, posto che de messo in ballo una casa medicale, nemmo da parla ma prima, François Albert Bernardi e Lionel Luggiani sono andati a Troia i vostri galinzaninchi. Siamo qui in Calenzano, allora il dottore oggi è mandato a bere a niente che vi conoscono più, seguitateci. Salute Vincent. Bonjour. Allora, salute. Se il dottore Agostini dire una star di un paese di Calenzano, poi sarete a più grande vanne, si può dire. Mica a più grande vanne, ma enfin, un amico di famiglia. Siamo amici, di già i nostri babbi erano assai amici, e siamo amici, e bere. Grande amico, e un nostro autore è famiglia. Allora, da voi quando conosci? 90, 89, 30, entro 30 e 35 anni. Ma c'è piacere che le sei piaciuto qui? È sicuro, perché ho fatto la maison medicale, a casa di ci sono gli autori, ci sono gli infermieri. C'è bien per un village, ça met le village en valeur. Una persona quasi incontornabile di un paese. Ah oui, c'è un pilier, il è là depuis plus de 30 ans. Se poi dare una parola a Monsieur Agostini, cosa digerire? Ah, che lo stile salute, o più possibile, o più lontano possibile, e che non ci abbandoni mai. On est dans un cabinet comme celui-ci, à cheval entre la campagne et la ville. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai toujours un très bon accueil parce que bon, je ne suis pas l'une des premières internes. Ça fait beaucoup de temps qu'il fait de la formation. Donc, les patients sont habitués à avoir des étudiants et on a très souvent un retour positif. Les patients sont contents de voir des jeunes. Ça apporte du dynamisme et surtout, ce sont des potentiels futurs médecins en balagne. Parce que quand on a un stage comme ça avec un formateur comme le docteur Agostini, on a envie de revenir. Par exemple, moi, j'ai encore un stage à faire en dernière année d'internat et je redemanderai encore Calenzano. Alors, Alexia, notre secrétaire, la pauvre, en ce moment, alors, elle est débordée. Le nom de famille, pardon. C'est terrible. Et là, voilà, merci. Nous avons Sophie. Voilà. Et on avait un petit bureau. Ils avaient un petit bureau. Nous, il fallait qu'on attende dans la salle d'attente pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir parler avec lui, tout ça. Et donc, ça nous a fait revivre. Mais tout ça, c'est grâce à lui, parce que lui, il a travaillé, il a fait les dossiers. Nous, on se faisait les petites réunions, on lui disait, bon, d'accord, François. Oui. Yeah, au conseil, yeah, babé, andem. On s'est lancé comme ça, grâce à lui. Hein. Bon, et voilà. Donc, grâce à lui, mais aussi grâce à vous, du coup, si ça marche, alors. Après, quand on est, oui. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut le faire bien, je pense. Le faire jusqu'au bout, hein, c'est bon. Certain. Ici, on se régale quand même. On est une équipe, on n'est jamais seul. Voilà. C'est une maison de santé, mais aussi une maison de famille un peu. Alors, c'est bien, non, ici. Ah oui, on est en famille, ah, ouais. Oui. C'est sûr que c'est Ovradé, hein, Ogoma, Ovradé. C'est ma famille. Hein. Nos enfants sont très amis, donc bon, voilà, c'est. C'est quelqu'un de ma famille, quoi. Mais je peux lui dire, oh, François, tu vois, là, quand même, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Il est accessible. Il ne va pas dire, non, j'ai décidé comme ça, ce sera comme ça, quoi. Bon, et puis en plus, on arrive toujours à le couillonner. Ah oui, bon, après, il faut savoir les prendre. Après, il faut donner, toi, ce que tu veux, et en lui faisant croire que c'est lui qui a, ouais. Bien entendu, les messieurs. Et là, ça marche très bien. Là, on fait faire ce qu'on veut, bien sûr, heureusement. Il va découvrir ça en direct, attention. C'est pas grave, oui, je sais, ouf, tu parles, mais depuis. Alors, dottor Agostini, vi va di Guyana, appena come me con Pierre, sì, ma sì, che sappiamo. Ma di no, si vede qui a forza di alea di Vabia in questo scagno che è da parte. Yeah. E a piazza del dottore di campagna come Omere, come Ugurado, all'Ebiga, che ferma sempre un personaggio. Un dottore come Omere, un giocurado. Qui diremo domanda a me. Allora, bon,
Odia a Minigina non si può più fare come la si va a Gialebria. E Beraghi, perché la riesci una fare simule, ci vuole a intrattenere una viamma, una simpatia, cioè diante che si sentono un po' insieme. E dopo quando l'uge sta faruccio, quando c'è un po' di amicizia, un po' di volontà di vai insieme, tanto già a metterci a strutturazione, cioè mettere l'intelligenza in dentro. Bon, l'affezione è buona, ma ci vuole l'intelligenza. E l'intelligenza non è mica un zoo o una zoa, se parecchia niente. Io dico sempre, alla lingua francese, per me il y a deux réalités absolues pour créer une structure médicale qui ait du sens et de la valeur. La première, c'est qu'il faut se dire que deux cerveaux valent mieux qu'un, quelle que soit la qualité des cerveaux. C'est bien. Ah non, c'est sûr. Oui, c'est surtout, sur un géant pareil, Tijarbeli. Et dopo, à seconde, il faut pas voir trop grand. Moi, je suis, malgré ma grande taille, je suis pour que small is beautiful, voilà. Même wonderful, même. Parce que c'est ça les ingrédients essentiels pour qu'il y ait des réussites. C'est pour ça que je suis un partisan de la Corse autonome, en fait. Bon, non sui gompi, si in campagna. Non sui gompi, abbiamo parlato di Calenzano, ma ho trovato un paese di Santa Reparata. Ci sono andati di noi, un nostro duo di shock. C'era Garcia che vi voleva un'occhiata di un nostro cognato e ci ha contato una storia. Allora andiamo in Santa Reparata. Se vedo un ricordo appena simpatico di Giraggio, una storietta, raccontarci cosa. Chi carica in capo Giraggio? Allora, questa ci avrebbe domandato a mia moglie, perché ella mi ha dato un carchito. Una storietta, un bel amico, quando era. Ciò che mi ricordo di quando era Zidella, che un giorno gli ho cercato un scaboccio. Ma come affettuoso. Non so mica perché. Allora, dunque, questo è forse ciò che mi ricorda prima. Va. Dopo i souvenirs, ce n'è tanti, che francamente non so mica. Ma va, li metterete dono, non scappoccio mica. C'ho le gogoli in tanta scena, per gli unghi alla saltezza. Perché a Dimo si deve. Quanto va? De, un metro e 90? 94. Il più grande dottore è Gorsi, cadico. No, un credo mica, una so, ma questa è poca importanza. Di Corsica. Perché non bisogna mica installare in Santa Reparata, nel nostro paese? Allora, Antonio ha detto, ho trovato un paese. Non è mica un paese di nascita, è sicuro, ci tenga assai, ma tenga assai a Cainzana, una donna. Ma tenga assai a Corsica, tenga assai a parecchi affari. E dunque, questa vuoi ahi. Perché mi sono mica installato in Santa Reparata? Sapete, da Lebriga, non è mica Gumawawa, un dottore. Perché ce n'è di meno o meno, si può stare dove vuole. A Lebriga era più difficile. E hai la coscienza che non c'è mica a lavorare solo, era me a lavorare parecchi. Allora, prima ho lavorato solo per un anno e poi un dottore di Gainzana mi ha domandato se voglio stare a Mancunello e così che sono giunto un paese. Allora, abbiamo visto in Neuriburto di noi che fa la domanda di Stusabec e dell'interno degli studenti con voi. Quanto sono oramai i dottori in Balagna e ce n'è bisogno in Neuriburto? Assicura. In Balagna siamo diciamo, un po' più di una quindicina di dottori generalisti, cioè ne pochi specialisti, ma visto la popolazione agricola e con più necessità di sanitaria, ci vuole più dottori, questo è più che sicuro. Allora abbiamo assai lavoro questi, sapete, e questi ci sono giovani interni, ne avete visto una questi, e poi ce ne sono altre interne, un corso che si rattano con altri dottori per favorizzare aiuta di giovani dottori in Corsica e siamo un capacità quasi di riesce. C'è assai interesse a bene in Corsica, va. Ci sono aiuti, ci sono l'accompagnamento, noi serviamo un po' di compagni, voilà, e dunque di compari o di gumare,
Femmo è parecchi giovani. C'è di che spera, qua. C'è assai, assai speranza. Ma parla di speranza non sui vinici, come vi dite della bene, e ma agaccia, si masca, e ma ricomincia a farsi abbracciarsi, a toccarsi a mano, e forse andare pure un caffè, un piccolo caffè, per esempio. Dei bici, sicuro. Speriamo assai, no, sicuro c'è mai un niente. In tutta maniera, tutte le epidemie hanno avuto una fine. Voilà, bon. Allora, speriamo che questa non durerà mica più che più. Oggi, alle brigate, oggi abbiamo comunque assai mezzi per combatterla. E sicuro, ci siamo ridruati, ci siamo avvaggiati, ci siamo abbracciati, i giovani hanno buono abbracciato. Questa è un'idea per noi, noi abbiamo un po' anche un po'. Ma i giovani giovanotti hanno bisogno di appiccicarsi appena. Oh, oh, fa, mica so, i giovanotti, speriamo di buono quello a Santa Ricituda di settembre. No, no, mica di settembre, Santa Ricituda di maggio. Di maggio, scusate. Di maggio. Speriamo di buono quello a Santa di ogni euro, per esempio. di settembre o di quella bere un caffè con voi in Calenzana, ringraziavi François piacere, Agostini di aver pigliato appena di vostro tempo prezioso per passarlo con noi. Speriamo che l'avete fatto con piacere e poi di noi in casa ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato in questa emissione in Pasta Prod o in De François Corse. Ringraziamo di noi a quelli che hanno tanto lavorato in questa emissione come voi Sébastien Thierry e Colutiadia Volterà da qui a un mese. Ci lasciamo in una canzone che ha scelto François Agostini, una canzone di Diamia Dialè e ribiada da vostro nipote Stefan Casalt, Mare Negro. Amarella, a coscienze guerriere.